Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Animal Crossing Pocket Camp. Mais tout d'abord je tenais à vous remercier sur l'accueil de cette nouvelle série sur la chaîne, vous avez été juste géniaux. Et du coup je tenais à vous en faire part, donc du coup, let's go! Et bien ça y est les amis, aujourd'hui on se retrouve dans notre camp sur Animal Crossing Pocket Camp. Donc je vais juste faire le petit tour pour ceux qui n'auraient pas vu le live. Et je rappelle au passage que ce jeu sortira fin novembre en français. Là il est actuellement en anglais, donc du coup je ne comprends pas grand chose à vrai dire. Donc je vais vous expliquer vite fait le principe, mais sinon n'hésitez pas à aller voir la rediff de live, ce sera beaucoup mieux comme découverte. Là je vais vraiment continuer mon let's play, continuer de jouer parce que j'en ai vraiment grave envie. Alors comme vous pouvez voir depuis la dernière fois, j'ai un petit peu avancé, je me suis fait quelques sous-sous, je suis montée level 5 et puis je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de jouer et tout parce qu'en fait il fallait que je fasse tout ça en fait avec vous en let's play quoi, en vidéo, et en fait c'est très compliqué. Vous ne pouvez pas savoir comment c'est compliqué de ne pas jouer à un jeu que vous avez trop envie de jouer et que vous pouvez pas parce que y a les vidéos à filmer, t'as vu, et comme vous pouvez le voir d'ailleurs. Ah bah non, vous pouvez pas le voir. En fait tout à l'heure j'étais comme ça pour pas cliquer sur le jeu, et en fait j'ai quand même laissé mon envie de jouer et j'avais acheté le petit meuble qui était là, mais comme en fait je vois que les meubles ont changé, donc ça veut dire que les meubles changent relativement souvent et à mon avis c'est toutes les 3 heures comme ce que j'avais. Bon oui je sais, normalement j'étais pas censée jouer hors let's play comme je le fais d'habitude, mais là tu comprends, c'était trop compliqué. Je suis sûre que même toi tu ne l'aurais pas fait, j'étais un peu comme ça en fait. Donc du coup, oui, je me suis laissée tenter un petit peu et aujourd'hui, on va continuer notre truc en vidéo et on fera sûrement un petit live ce week-end si j'en ai le temps. Alors, regardez-moi ces habits qui sont tout moches, sauf ce petit jean, et vu que j'ai de l'argent... Je rêve où le jean coûte 3600 clochettes. C'est bien parce que je suis en manque de fringues, hein, Layette, hein. Sinon jamais je t'aurais acheté ça. Hé, hey, j'avais pas vu la petite cousette là derrière, en fait. Voilà, on remarquera cousette... Juste ici. Hein. Alors, Marie qui... Hey, je ne lui ai pas parlé à elle pendant le live. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Waouh, tu aurais besoin d'aide aujourd'hui. Hey, vous avez vu, j'ai réussi à choisir. En fait, elle m'explique juste les objectifs que j'ai à faire aujourd'hui. Ok. Give kudos. Alors, kudos, on m'a dit que c'était un petit peu de l'aide, des trucs comme ça. Donc, donner de l'aide sur leur campement, je pense. Garder un... Ouais, super. J'ai tout compris. C'était un truc de malade. Et donc du coup, je vais pas m'acheter d'objets parce que j'ai déjà acheté une plante tout à l'heure. Oui, vous devez vous douter, Fluffy là, il va acheter une plante, la routine, quoi, t'as vu? Et donc, on va commencer par se faire des sous-sous parce qu'on vient d'en dépenser quand même un petit peu. Et en fait, non, je vais pas pouvoir aller dépenser des sous-sous parce que sinon, il faut enfin gagner des sous-sous, sinon il faut que je paye 20 tickets. Et en fait, si. Je sais, c'est pas bien. Alors, hey, welcome! Alors là, le but, ça va être en fait de essayer de trouver, si j'ai bien compris, les minéraux qui te donnent le plus de money, quoi, t'as compris, pour te faire un maximum de money. Et à chaque fois, j'ai pas de chance. Oh, je suis bloquée. On peut pas monter là-haut. Voilà, c'est dommage, la petite chose à savoir, hein, quand même, aujourd'hui. Si vous me voyez regarder en bas, c'est parce que mon téléphone est en bas, bien évidemment. Hein. C'est pas parce que je regarde la beauté de mes pieds, non. Oh, j'ai eu 2 pépites d'argent! 3 pépites d'or! 3 pépites d'or! Eh! Ça, si c'est pas de la money en poche, hein! Combien? 800. Je viens de payer un pantalon à 3600 balles et tu viens de me dire qu'une pépite d'or, hein! 3 pépites d'or, c'était 800 balles! Ouh! Ça ne va plus. Alors oui, je suis montée level 5 depuis la dernière fois et soi-disant ça m'a débloqué un truc et en fait je sais déjà plus ce que c'est. Et les petits habitants ont changé comme vous pouvez le voir dans mes sur mes places. Avant j'avais Apollo, Jay et Butch il me semble, et là je vois que les habitants ont changé. Et ce midi j'avais Héloïse en fait qui était au niveau des pommiers. Voilà, moi ce que je vais vous proposer c'est d'aller voir dans un premier temps lui, parce qu'en fait j'ai sa quête, voilà, j'ai rempli sa quête, hein. Et donc du coup quand on remplit sa quête, c'est à dire que notre amitié va augmenter avec lui, blablabla, que ça va devenir notre meilleur pote, et qu'il va surtout nous donner de la thune. Je kiffe ce jeu, c'est génial. Alors,
Du coup, maintenant le but c'est de devenir ami avec eux. Pourquoi? J'en sais rien. Mais tu dois devenir pote avec eux. Si j'ai bien compris, c'est le moyen pour se faire de l'XP, en fait, remplir leurs requêtes et tout. Tu deviens pote avec eux. Tu remplis tes requêtes, ça te donne de l'XP. Et quand tu as de l'XP et que tu montes de niveau, tu as des nouveaux objets, des nouveaux personnages, des nouveaux habitants, des nouveaux trucs. Et du coup, là, t'es content et tu souris à la vie. Voilà. Du coup, je deviens amie bof avec lui. Il veut un poisson que je n'ai pas. C'est bien dommage. Et regardez comment c'est trop simple d'attraper des insectes dans ce jeu. Il te dit lui-même quand est-ce que tu dois taper. Genre, tu peux pas louper l'insecte, tu vois. T'as pas le choix, regarde. Tu cliques juste sur l'arbre. Je fais rien. Je vous jure, je fais rien. C'est le premier insecte que je rate et bien évidemment il fallait que je le rate en vidéo pour me ridiculiser. Alors lui il veut un poisson qu'on n'a pas, donc du coup on va essayer de le trouver pour lui faire plaisir. Et j'ai trouvé un moyen de savoir rapidement ce qu'il y avait sur la map et donc du coup je vais le montrer parce qu'on sait jamais s'il y a des gens comme moi qui sont un petit peu nuls et qui trouvent pas tout du premier coup, t'as vu? Eh bien je vais vous montrer, donc voilà, ici tu cliques sur la petite loupe, from here, et voilà, il voulait le horse mackerel. Tu vois, et du coup, ça veut dire qu'on le trouve dans cette zone-là. Et donc, du coup, on va s'y rendre, hein, tu vois, parce qu'il voulait ce poisson-là. Et donc, du coup, on lui fait plaisir à cet habitant dont je ne connais pas son prénom en français. Mais il s'appelle Jay, en français. Et je vais vous montrer la petite fonctionnalité qui me fait kiffer à mort juste dans ce jeu. Et c'est celle-là. Quoi? Comment ça? Il faut que je rachète un filet? On est des fous! Je devrais pas faire ça. Je sais, je devrais pas faire ça. Dis-moi, j'ai le poisson. Mais oui, mais regardez-moi tout ce que j'ai. Voilà, c'est la pêche fascine. Si t'as kiffé, n'hésite pas à me le dire. Alors, du coup, je vais aller voir dans ma mailbox quand même parce que, voilà, j'ai des petits trucs à récolter. Donc, c'est plutôt sympathique. Alors, je tiens à préciser que je recommencerai le jeu sur ma partie FR. Donc, du coup, je vais bien m'avancer quand même, mais je vais pas non plus faire des trucs de folie, t'as vu. Parce que j'ai vraiment envie de me concentrer sur la partie FR et ce serait dommage, du coup, voilà. D'ailleurs, c'est ce que je conseille à tout le monde. Hein. Si vous avez le jeu comme moi, n'hésitez pas à recommencer sur la version FR parce que... Bah, c'est... Le français, quoi. T'as vu? Le français. Alors, mon ami Jay. Je sais même pas s'il s'appelle Jay, en fait. Ah, il s'appelle pas du tout Jay, il s'appelle Tex. C'est pas grave. On va faire comme si on n'avait rien dit, comme si ce mec ne s'appelait pas du tout Jay. C'est qui Jay du coup? Je sais plus. Bon. Alors du coup il est content parce qu'on lui a donné son petit poisson et on a la requête qui est complétée. Et donc du coup là on va gagner de l'XP normalement. Ah non, on gagne que de l'XP quand je deviens encore plus ami avec lui. Mais du coup je deviens encore plus ami avec lui et du coup je gagne de l'XP. Voilà, et je regagne des sous par la même occasion. Voilà. Hey, non, mais... j'ai dit j'avais joué un petit peu, la fille elle a déjà 20 000 clochettes. Hein. Ok, c'est pas grave. J'étais pas du tout crédible dans le fait d'avoir dit que j'avais joué un tout petit peu. Alors, je vais vous montrer cette petite map là parce qu'en plus il y a l'habitante Anna que j'aime beaucoup dans Animal Crossing pour ceux qui n'étaient pas au courant. Je la trouve sympathique, en plus t'as un comportement grande sœur. Là on s'en fiche du comportement parce qu'on n'est pas dans Animal Crossing New Leaf. Mais c'est pas grave, je tenais à le préciser quand même. Je vais secouer les arbres parce que j'ai vu qu'on m'avait demandé des fruits. De toute manière, récupérez tout sur votre passage parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va vous dire « Eh, j'ai besoin de ça !» Est-ce que tu l'aurais? Eh bien, bien évidemment, tu ne l'auras pas. Et il faudra parcourir toutes les maps du jeu pour trouver cette chose. Donc au moins comme ça, quand tu croises quelque chose, tu ramasses et t'es content, Anna. Alors qu'est-ce qu'elle voulait? Oh! D'ailleurs, on peut s'asseoir sur les projets publics. Hein. Voilà, il faut juste cliquer deux fois dessus, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, hop, hop, hop! Alors, juste, je voulais voir Anna quand même. Faudra que j'aille voir le mec de la caravane et ce qu'il me propose des nouveaux... De nouveaux revêtements de caravane, ça c'est important. D'ailleurs, quand il y a marqué « Let's to talk », en gros, leur parler, n'hésitez pas à cliquer, en fait, parce que ça augmente aussi votre amitié quand c'est marqué en rouge, t'as vu. Voilà. La fille, elle connaît déjà tout le jeu par cœur alors qu'il est... Sois crédible quand tu dis que tu as joué un petit peu. C'est pas possible, sérieux. Elle m'a demandé un insecte que j'ai, je crois. Ah non. C'est dommage. Du coup, voilà, on a discuté ensemble et je deviens d'amitié 3 avec lui. Et du coup, je vais regagner des sous et bien évidemment, je vais surtout avoir encore des petits niveaux. Enfin, hey. Alors par contre, pour monter niveau 10, ça va être un peu compliqué, les amis. Hein. C'est
C'est pas tout ça, mais ça se fait pas non plus en 5 minutes. Il y a juste les petits temps de chargement que je regrette un petit peu. Voilà, loading, c'est un petit peu long, mais... Au pire, on a un très bon jeu devant nous. Enfin, franchement, moi qui me hype à mort, n'hésitez pas à dire si vous aussi vous avez la hype dans les commentaires comme moi. Et du coup, je suis trop heureuse et je m'en fiche de ce qui peut bien se produire dans le monde quand je suis en train de jouer à ce jeu. Alors, on va aller voir le mec de la... Les Hockey Motors, hein. Hockey Motors, voilà. Il y avait un gars qui s'appelait Gabriel. Non, je sais plus. Je sais plus comment il s'appelait, en fait. Tu t'appelles comment ? Giovanni, voilà, Gabriel, Giovanni, c'est bon, c'est pareil. Est-ce que tu as vu l'option expand the interior, hein? Ça veut dire agrandir ton intérieur. Quoi? Je pouvais agrandir ma caravane et personne me l'a dit? Non mais c'est une blague! Y'a rien qui a changé en fait. T'es sérieux? En plus il a fait tout ça gratuitement quoi! Oh ah c'était pas si gratuit que ça en fait. Et il faut que je le rembourse en plus? Attends, comment je te rembourse? Pff, aucune idée. Bon, c'est pas grave. On te remboursera jamais. C'est pas grave hein. Elles sont trop kawaii, les petites... J'aime surtout la petite caravane rose, en fait, elle est trop mignonne. Hein. Elle est trop sympa. Et elle coûte combien? Attendez, je deviens sérieuse, là. Elle coûte combien? Ah, je peux pas, parce que j'ai déjà payé l'agrandissement de ma caravane. Ah, ça marche comme Tom Nook, en fait. Hein. D'accord. Hein. Mais c'est où que je rembourse? En fait, je suis quelqu'un d'honnête et je voudrais juste rembourser ma dette. Just fini paying VAT Lohan. Je dois payer à Lohan. Where is Lohan? Lohan is in the kitchen. Non mais c'est qui Lohan? What? C'est qui Lohan? Putain, on doit trouver un mec qui s'appelle Lohan. Mais je sais pas qui c'est. En vrai. Attendez. Lohan n'est pas caché dans la boutique? Non, Lohan n'est pas caché dans la boutique. Tu t'appelles pas Lohan par hasard? Non, tu t'appelles Carlo. Tu pouvais pas t'appeler Lohan. Ça aurait arrangé tout le monde ici. Non, non, bien évidemment. Bon, c'est pas grave. On trouvera Lohan plus tard. Si quelqu'un a vu Lohan, je lance un unité de recherche. Voilà. Je vais me rendre dans ma caravane parce que, hey, j'ai pas vu mon agrandissement de caravane. Je sais pas ce que ça a changé. Sur l'image, il y avait rien du tout. Sur l'image, il n'y avait rien du tout, t'as vu? Donc je sais pas ce que ça a changé. N'empêche, il faudra quand même trouver Lohan. C'est important de trouver Lohan dans le monde. Et donc du coup, j'avais débloqué un truc. Mais en fait, je sais plus ce que c'est. C'est bien dommage. Il faudrait que je retrouve ça. Pourquoi elle dort? Ah, je l'ai réveillée! Ah, c'est vilain! Ah, elle est contente parce que je l'ai réveillée. Moi, en général, les gens qui m'engueulent, je les... J'ai envie de les assommer, mais c'est pas grave. Alors, il me semblait que c'était un truc là-dedans. Ah mais oui, c'était ça. Voilà ce que j'avais débloqué. Voilà, en gros, je peux changer les tentes de mes gars. Voilà, des mecs qui viennent s'installer chez moi, je crois bien. Donc ça, j'ai encore tout ça qui est lock. Mais j'avais envie de changer avec vous. Et je m'étais dit que la natural tent, bah, elle était plutôt... pas mal, voilà. Donc du coup, je m'étais dit que j'allais l'acheter, voilà. Ouais, franchement, elle est cool. Et donc du coup, je vais la crafter parce que j'ai les objets nécessaires, parce qu'il faut des objets pour crafter. Mais ça veut dire que là, ça va me prendre du temps et que je l'aurai pas tout de suite, malheureusement. Donc vous la verrez pas aujourd'hui. C'est un petit peu dommage. Alors, je vais juste la poser ici, voilà. Yes, please. Donc c'est la tente de notre ami qui vit avec nous, visiblement. Je crois avoir compris qu'il vivait avec nous, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Oh! D'accord, ça marche comme ça! Et maintenant j'ai un gros... Ah ouais! Ah ouais! Ah, ça finit dans 12 heures! Mais c'est long! On sera déjà demain matin! My god! Oh. Eh bien écoutez, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Enfin, je vais vous arrêter là pour aujourd'hui, mais moi je vais continuer.
Voilà. En tout cas, moi, je vous fais à tous de gros bisous. J'espère que ce deuxième épisode sur Animal Crossing Pocket Camp vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter la vidéo. Excusez-moi, je rêvais de faire un jour dans ma vie, comme tous les youtubeurs du monde entier. Et voilà. Mais en fait, non, fais ce que tu veux. Bref, je vous fais de gros bisous comme d'habitude et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye tout le monde.